C'est relatif en fait au matériel à proprement dit, tu sais. Dans le cas de Croque-Mitaine, c'est un peu différent comme approche parce que c'est très conceptuel puis expérimental jusqu'à un certain point l'approche parce que ça reste quand même une toune de 36 minutes. Fait que c'est sûr que quand tu regardes ça, quand tu compares ça en fait à un processus de musical standard, ben, qui va comme s'apparenter à des tunes de 5, 6, 7, 8, 10 minutes, dépendamment du genre musical que tu vas jouer. C'est sûr que faire une tune de 36 minutes avec du gros blast beat, puis du double kick à 240 pendant des sections de 5 minutes de temps, puis ça représente pas nécessairement une tune, mais ça représente genre une partie de la tune. C'est sûr que l'apprentissage diffère dans le sens que tu peux pas te fier à tes repères habituels, tu sais, ou faut littéralement que tu reprennes tes repères sur une échelle de 5 à 10 minutes pour une pièce, mais là faut que tu l'élargisses pour un morceau de 36 minutes qui est quand même assez lourd à digérer. Musicalement parlant, puis même physiquement, c'est assez épuisant. Une tonne de 36 minutes, ça demande une certaine organisation de la forme. On regarde la forme beaucoup plus méticuleusement dans ce cas-ci quand ça vient à prendre le matériel, parce que par exemple, sur l'album État de Croque-Mitaine, ben, c'est une toune qui se divise en trois chapitres. Il y a trois sections, mais chaque section dure entre 10 à 12 minutes chaque. Fait que c'est sûr qu'après ça, ben, il faut que tu considères que dans chaque chapitre, il y a différents motifs. Il y a des motifs qui se répètent. Des fois, tu as certains mouvements mouvements rythmiques qui vont se rapprocher. Des fois, c'est les voix. Des fois, il va y avoir un solo. Des fois, ça va être comment la section a été écrite pour le drum. Des fois, ça va être comment mettre la guitare en valeur. Puis, c'est de jouer à travers tout ça. Mais ça, c'est de prendre toute cette conceptualisation puis de l'étendre sur 36 minutes sans nécessairement trop se répéter puis garder quand même une diversité dans tout ça. Puis le plus dur, je te dirais, dans ça, c'est de créer un build-up, mais sur des périodes excessivement longues. Le challenge n'est pas le même, tu sais. Ça fait que tes outils habituels ou tes repères de base, t'y remets un petit peu en perspective pour essayer de réadapter ça à un morceau aussi long, tu sais. C'est chaque compositeur a sa manière d'écrire la musique, tu sais, puis d'approcher comment qu'une toune doit être écrite, tu sais. C'est important de s'adapter au compositeur. A piece of cake. C'est assez facile parce que le message était clair, tu sais. Quand j'avais une question, j'avais une réponse à ce que j'avais. J'avais une réponse. Quand j'avais besoin d'une réponse sur quelque chose, tu sais. Le terrain de jeu était quand même assez libre et il était très bien défini, tu sais. C'était comme ça, c'est ton carré de sable, tu joues là-dedans, je veux pas à côté, tu sais. Puis ça n'a pas nécessairement été mentionné que je veux pas à côté. Elle dit, voici, t'as une maquette de ce que je veux, puis amuse-toi avec ça, je veux ta touche personnelle là-dessus. Fait qu'à ce moment-ci, ben, c'est sûr que oui, ça a été très facile parce que bon, non seulement, ben, comme ça a été super cool, parce que aussi l'entente avec le compositeur va jouer pour beaucoup dans. Tu sais, quand je travaille avec un musicien, tu sais. Moi, c'est important, genre, comme, dis-moi ce que tu veux, dis-moi qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu en es, la progression de tes affaires, tu sais. C'est sûr que plus le message est clair, plus c'est facile renvoyer la même énergie, la même qualité de travail dans ce cas-ci, tu sais. Fait que dans ce cas-ci, avec Simlev, ben, ça a été relativement facile. Ça n'a pas été long, en fait, comme on s'entend en général pas mal sur les mêmes affaires, tu sais. J'étais assez easygoing, je te dirais. On était arrivé en studio, on a fait troubleshoot pour régler les affaires techniques. Puis après ça a été 1, 2, 3, 4, puis une semaine après, l'album était terminé.
Le terme exact dans le jargon du milieu, c'est que je joue open hand. Je suis un gaucher qui joue sur une batterie droitière, dans le fond. Mais mon jeu de cymbales est adapté pour un gaucher, avec une configuration de gaucher, mais avec une batterie configurée pour un droitier, dans le fond. Le reste du kit, à part des cymbales, là, j'aimerais nécessairement. En fait, mon père jouait comme ça avant même que je commence à jouer du drum. Puis, la première fois qu'il m'a vu jouer du drum, mon père, en fait, il m'a dit: T'es gaucher, tu vas jouer de même. J'étais comme: Ah, ok. Mais tu sais, quand t'as 10-12 ans, tu te poses pas trop la question, tu sais. Ça a commencé comme ça, bon an, mal an. Puis avec le temps, à force de jouer dans les bands, tu sais, à un moment donné, ça en est arrivé à un point quand j'ai commencé à jouer dans Beyond Creation. Je voyais la nécessité d'apporter une deuxième ride à mon kit de drum. Pour la simple et unique raison, c'est que ça donnait un effet de symétrie visuellement sur le kit. Mais aussi, c'est qu'en même temps, c'est je pouvais pratiquer mon côté qui était plus faible dans ce cas-ci, t'sais. Fait que je pouvais pratiquer de la droite, faire certains patterns de la droite que je faisais déjà de la gauche, justement. Ça me donnait, au même titre que je pouvais jouer des deux côtés, ça me donnait deux colorations différentes en termes de son. La ride à gauche, nécessairement, sonne vraiment différente de celle à droite, mais pas différente au point que la combinaison va des deux ensemble va clasher. Ça faut que ça reste quand même un mélange sonore, genre assez. Faut que ça reste musical dans le choix esthétique, dans le choix esthétique puis sonore des instruments, comment tu vas mixer ça ensemble, tu sais. Puis ben, c'est sûr que j'ai fait beaucoup d'essais-erreurs. J'ai essayé différentes configurations, plus de crash, moins de crash, plus de splash, moins de splash, des china, des hi-hats, des rides, des toms, des snares, des mythes en veux-tu à un moment donné. T'sais, mais je te dirais que ma configuration a pas mal été la même depuis les 5 dernières années. Ce qui veut dire deux toms, deux floors, un bass drum, un snare. Un hi-hat à gauche, un hi-hat à droite, une ride à gauche, une ride à droite. Ce qui donne en même temps justement cet effet symétrique-là, c'est que aussi, c'est que à force de jouer, surtout des trucs intenses comme Croque-Mitaine, Beyond Creation, Brought by Pain, les autres projets aussi avec lesquels je travaille présentement, entre autres Void Mask, t'as besoin de pouvoir à un moment donné, le corps, je pense que le corps humain n'est pas fait pour faire une motion répétitive pendant des heures et des heures et des heures, même avec de l'entraînement. Je trouve que c'est illogique aborder le mouvement mécanique de jouer de la batterie de cette façon-là. Fait que par moment, ben, un beat que tu vas faire pour le commun des drummers, ce qui veut dire de la droite, tu sais, exemple, un skank beat, ben. Quand tu fais ça pendant une minute et demie à un moment donné, ben, le bras fatigue, puis il y a une certaine musicalité qui perd son sens là-dedans à cause de la fatigue. Fait que t'es plus capable d'entendre le côté musical, tout ce que tu entends, ça va être la fatigue, justement, du mouvement trop répétitif sur le même côté. Fait que dans ce cas-ci, c'est que tu peux te permettre dans un. Avec une certaine façon de faire pour pouvoir t'amener à inverser de bord, justement, pour garder la même feel musical, mais en même temps, c'est que tu vas colorer autrement avec un autre son de cymbale, mais tu gardes quand même le même flow musical dans ce cas-ci. Fait que la musicalité est pas affectée par ce changement de côté-là. Je pense que c'est une question d'économie d'énergie aussi. Par exemple, faire des blast beats de la gauche comme de la droite, je pense que c'est important de mettre beaucoup d'emphase là-dessus pour la simple et unique raison, c'est que tu peux pas faire des blast beats physiquement. Faire un blast beat de 5 minutes de temps non-stop sur un métronome à 240, c'est physiquement très difficile, mais c'est surtout très dur sur le corps.
Ben, c'est sûr qu'il y a des exercices physiques qui viennent en ligne de compte. Des push-ups, des redressements assis, des exercices pour la posture, beaucoup de stretching, du warm-up, un peu de cardio. C'est sûr que si tu veux garder en endurance ce que tu fais, t'sais, si tu veux garder une certaine endurance, puis une certaine force de frappe pendant une certaine longue période, mais c'est sûr que faire des poids, ben, par exemple, faire des poids libres, ça peut être une bonne façon de faire du cardio, courir, corde à danser, du vélo, tout ce qui te fait dépenser de l'énergie, qui te va te faire suer sans nécessairement avoir à lever des charges lourdes. Les charges lourdes, ben, va surtout te donner beaucoup de force de frappe. Puis comment tu vas augmenter ta force de frappe? Ben, garder des longues périodes de force de frappe, mais c'est plus des exercices d'endurance qu'à ce moment-ci que tu vas travailler. Comme tu vas prendre des poids qui sont quand même pas trop lourds, mais tu vas faire beaucoup de répétitions, t'sais. Fait que dans ce cas-ci, ben, nécessairement, un poids de 5 livres, ça va être plus lourd qu'une paire de baguettes, t'sais. Fait que t'sais, si tu fais 3 répétitions de 30 répétitions, mais tu fais 3 sets de ça, quelques fois par semaine, t'sais, mais c'est sûr que ça va aider beaucoup pour ton endurance, puis ça, surtout de garder une stabilité dans ta force de frappe, t'sais. Puis ben nécessairement, après ça c'est l'aspect physique de l'instrument, t'sais. Après ça, ben nécessairement, t'as ta technique aussi qui va jouer pour beaucoup là-dedans. Sorry about the change in English, but I like to practice the Mahler technique. I think it's the for me it was the best solution to manage to save a bit of my wrist and arm. I used to have a lot of problem with my right arm in the past because I didn't have a good technique, so I had to take lessons with a teacher. He showed me the Mahler technique, and then I practiced a lot to learn and how to control stroke, actually the rebound and the tap and all that stuff that comes with the Mahler technique. And then what I wanted to do is to apply that technique to metal and playing blast beat. I think the Mahler technique, it's a kind of a technique for lazy people, but in a good way. In a good way, because you don't have to manage to, you don't have to execute all the strokes. And then there are so many strokes in metal music, and then you have to compensate somewhere to avoid getting hurt after 3 hours of jamming with your band or just practicing alone at home. So to learn how to control the rebound and not generate all stroke for your blast beat was the best conclusion to what I've been experiencing after many years of struggle to get speed control and tightness and actually tone, because Mahler techniques give you tone to your instrument, because you need to be relaxed and smooth. So since you're relaxed and smooth when you're playing Mahler technique, then you got tone coming out from the stick. So if you got tones coming out from the stick, it's gonna be there's gonna be tones coming out from the instrument itself. So en bout de ligne, ben avec la Mahler, tu sais, ça a été surtout une économie de temps. Parce qu'une fois que la technique est maîtrisée, tu peux l'appliquer partout sur le drum. Après ça, c'est juste de l'appliquer à gauche, après ça à droite. Mais une fois que tu as contrôlé les deux côtés, ben, ce qui reste, ben, c'est de faire de la musique, puis l'aspect créatif à tout ça, t'sais. El Coco Bongo prise 1. La Casa del Popolo. La Casa del Popolo
Take 1. Je vais pas foutre le bordel dedans. Ouais, c'est pas très bien. Ah, gracias, señor. No problemo. C'est no hay problema. No hay problema, cabrón. Bon, ben. Et ça fait un autre succès avec une paire de baguettes seulement. Pedro, take one, man. Holy fucking shit. Ça éclaire beaucoup. Ben, man, je vois juste un blast de... Je vais reculer un peu, peut-être. Que... Pedro, take 2, man. Pedro, take 2. Ça, c'est Pablo, cette fois-là, man. Pablo. Pablo, numéro 1. El fuego de la muerte, take 1. Be patient. Faut que tu sois patient. Ça vient pas du jour au lendemain. And you have to be passionate. And I've been teaching for almost 9 years now. And the first the thing I notice with times is that student or just younger drummer manque de patience. C'est important d'être patient parce que playing a blast beat at 240 BPM doesn't come in a week. As for myself, it took me years before being able to play that kind of stuff, and this is long, and it's a long learning process. You cannot skip step during the process. It doesn't work that way, because I tried to do that in the past, and I hurt myself, and I got injuries in my arms, so I had to take a step back and actually took lesson with a teacher. So, and personally, I strongly suggest for younger drummer to take lesson with a teacher, a good drum teacher. Whatever the kind of music the teacher is playing or is listening to, a good teacher is gonna teach you how to actually grip your stick correctly. That's the basic of playing metal. If you have a bad technique, you're gonna injure yourself and you won't be able to play. And at this point, that sucks a little bit, because mostly you play drum because it's fun. But if you hurt yourself each time you're playing drum, it's not necessarily fun. So you have to be patient, to be able to enjoy the climax of getting able to play at the 240 BPM. So mostly it's patience and perseverance that I would say, and a lot of patience. Faut que tu sois dans un divan chez vous avec un bon système de son. C'est la meilleure façon de faire, puis faut que tu l'écoutes au moins 30 fois. C'est ridicule comment c'est dit, mais ça reste quand même la façon la plus justifiable pour pouvoir apprécier cet album là parce que c'est pas quelque chose qui s'écoute facilement. Déjà en partant, le fait que ça doit être du death metal, t'as une bonne partie de monde que tu vas perdre, parce que c'est un style qui est quand même assez marginal, t'sais. C'est sûr que de plus en plus on voit des gens s'ouvrir à ça. Mais bref, tu sais, puis non seulement, tu sais, même pour un habitué
du genre avaler un album de 36 minutes d'une shot puis pouvoir donner un feedback tout de suite, c'est difficile. C'est très difficile. Moi, personnellement, quand ça a été le temps d'apprendre l'album puis de commencer à travailler mes parts de drum par-dessus ça, tu sais, ça m'a pris au moins comme 10 écoutes avant de comme commencer à comprendre la vision de l'album, en fait. Puis juste la vision de ce que Croque-Mitaine est dans son essence, tu sais. Parce que Croque-Mitaine fait pas des albums avec comme 10-12 tunes, genre. C'est t'as une tune, puis c'est 45, 50, 35, 60 minutes, dépendamment de comment l'inspiration de Simlev a été pour le matériel donné, tu sais. Fait que c'est sûr que dans ce cas-ci, je pense que c'est très représentatif du compositeur, la façon que la musique doit être écoutée. C'est faut que tu sois dans ton divan, chez vous, avec un bon système de son, tu payes sur play avec le son bien fort. C'est une expérience, je dirais. Ça a été très éprouvant comme enregistrement. Ça a été dur. Physiquement, c'était très épuisant. Après une semaine d'enregistrement intense en studio, je t'avoue que j'ai eu mal au mollet pendant une couple de jours. Mais je pense que ça en a valu la peine parce que c'est probablement l'expérience de studio la plus agréable. Dans l'ensemble, j'ai appris énormément. Fait que non seulement le processus a été très le fun, mais ça a été très instructif.